Salut à tous les popitox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour le dernier épisode de A Plague Tale Innocence. Et c'est parti avec l'enfant, avec le pouvoir bien sûr des rats. On n'a pas beaucoup de choses, hein, de munitions, mais bon, c'est pas grave. On va en ramasser, je pense. Voilà, là on a des trucs à prendre. C'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Melly, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oh, Melly, attends! Elle est en colère contre moi? Non. Elle est... en colère, tout court. Mais... Laisse-lui un peu de temps, Hugo. Moi, je ramasse, hein. En attendant. Attention. Hey, ça a déjà commencé, vous croyez? J'espère bien. Parce que ça grouille de plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Mais c'est ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. Ce qu'il est. À tous les coups, elle est verrouillée. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Et merde! Il va les voir. Il y a un truc à faire, non? Ah. Voilà. Au travail. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Ah, je peux pas passer par là. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches. La cathédrale, Amicia. Vitalis est là-bas. Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Lorsque vous maintenez L2, visez avec les rats. Tu ne prends pas attention à moi? Lorsque vous maintenez L2 pour viser avec les rats. Les feux rouges indiquent que les hordes piégées sous le sol et tenues par se libérer. Ok. Faut éteindre. Non. Moi je vais éteindre. Je peux pas aller par là. Ils veulent pas m'écouter. Ils m'entendent pas. Moi, j'ai pas le choix. Oh putain, ils ont dévoré comme...
Des gardes, attention. Vitalis n'a envoyé personne à ta recherche. Bizarre. Le capitaine a toujours été sous protégé. Vitalis a changé depuis l'arrivée du porteur. Il s'est peut-être trouvé un nouveau protégé. Voilà. Oh putain! Chier. Des gardes, attention! Il n'a envoyé personne à sa recherche. C'est loin, mais j'ai rien. Non. Voilà. Thank you.
les flammes. Oh putain. Je suis planqué pourtant. Hein. Dommage. Putain. C'est pas ça, il va me faire chier. Des gardes, attention. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de continuer. Il n'y a plus personne ici. Voilà. Caché. Derrière rien, maintenant.
Voilà. C'est bon. Deux gardes, même pas par chacun. De prendre le sang d'un autre. C'est contre nature. C'est pour toi. Tu me le diras pas deux fois. On y va. Moi aussi, je veux être fort comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrigue, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul? Tu veux le faire? Rodrigue, à toi de jouer. Ouais. Passez! Allez, vite! Attention. Aïe. Non, c'est pas grave. C'était. Tu peux t'occuper de lui. Compte sur moi. Ça va? Pas une égratignure. Voilà. Avance tout doucement. Voilà. Oui. Amicia, vous êtes vivant. Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez, on vous retrouve de l'autre côté. Faites attention, la maison. Allez. Bon. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Ça a pris. Tu vas voir. Il y a des gardes qui arrivent. Rodrigue, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Thank you.
putain. Ah merde. Bon. Voilà. Je crois. C'est bon, Rodrick. Bah dis donc, les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. Bien. Cette fois, ça va marcher. Mortel. Tu parles d'un plan. Non, Amicia. On peut pas. On va brûler. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Rodrick, tu nous suis? Jusqu'au... Allez, défonce-moi cette porte. Le plafond va tomber. Calme-toi. Hugo, t'as battu. T'es un dur à cuire. Plus dur à cuire que moi. Que c'est. Forge, le forgeron. C'est vrai. Non, jamais. Voilà. Plutôt calme pour un jour de miracle. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Voilà. Attention. On venait juste récupérer nos affaires. Amicia, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis. Voilà. Oh, merci. Merci. Soyez bénis. Oui, merci. Et bonne chance. Hé, attendez. À couvert, des archers. Bien joué, les gars. Ouvrez l'œil, surtout. Personne doit s'approcher de la cathédrale. La cathédrale. On est sur la bonne voie. Là-bas, la herse. C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Trouver un moyen de passer, c'est vite dit, hein.
Ouais, faut que je pousse ça, quoi. Alors. Réduit le temps de la fronde. Poche. Ça. Pas mal. Pas mal du tout. Ça m'a l'air bien mieux. Voilà. Ça c'est pris. Ça c'est pris. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je devrais pas. Pourquoi ? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parents, non? C'est pas vrai. Roderick. Reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? C'était la forge de mon père. Ouais. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez. On doit sauver votre mère. Tu vas voir. Maman, elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Le forgeron. Trophée obtenu. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Lâche-toi, Roderick. T'en fais pas pour moi, petit. Soldat, oh merde. Je voulais ramasser, mais je me suis fait niquer. Bon. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gars. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick. T'en fais pas pour moi, petit. Putain, j'ai pas vu lui. Amicia, ils sont derrière. Salaud, bande de salauds. Je suis à l'escalier. Venez vite.
Un peu mieux. Je te suis. Bon. Go, vas-y. À toi. Désolé. Je suis désolé. Putain! Putain! Hugo, viens, il faut partir. Bon. C'est pas vrai. C'est pas possible. Allez, je t'en supplie. Non. Ces bâtards doivent payer. Je vais leur faire payer. On doit d'abord rester en vie et grouper. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Elle a raison, Mélie. Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus, Sera. Charogne, dégagez de là. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Wow. Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord. Marche conclue. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Vous allez voir. Voilà. Venez tous. On a des amis.
attention. Allez, il n'y a pas 30 secondes. On va vérifier notre sol. On va tout. Ah putain! Casse les couilles, hein! Cathédrale! Merde! Elle a vraiment une sale gueule! Voilà. On y est. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Arrêtez les enfants, mettez-les en punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Merde. Putain. On va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que les enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Je vois. Ah oh, putain. Voilà. Puissance. Bien, allons-y, entrons.
Tu parles d'une famille? Ellie! Aidez-moi! Plus personne ne doit entrer! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel! Hugo! Tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Tu es Vitalis. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice, c'est un élève doué. Dommage qu'il ait oublié qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu! On est plus pété, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs. Ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez! Lumière, style. J'ai vu. Bon. Unissez-vous pour les dévorer. Il les regroupe. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Vitalis Bénévent, porteur de la prima macula, couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un usurpateur. Elle a raison, Vitalis. Vous ne pouvez pas contrôler la macula. Vous sous-estimez le pouvoir. Non, non. Oh non. Putain, j'ai oublié le sort. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Vous êtes venus me défier. Moi! Non! C'est pas vrai. Le feu ne peut rien contre eux. Amakula, couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un usurpateur. Incroyable. Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les. Ce sont des enfants. Oh, ce sont les reliques de l'enfant. Arrêtez ça. Voilà. Non! Putain!
Mêlez vos forces et déchaînez-vous. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière ne les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Moi, Vitalis Bénévent, porteur de la prime Amalfa, couronné par le sang. Incroyable. Oui, bravo, Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Regardez qu'elle est. Voilà. Oh, ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez-la ! Voilà. Une blague. Rassemblez-vous et avancez. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière ne les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. Vous êtes venus. On doit essayer. C'est notre seule chance. Moi, Vitalis Bénévent, porteur de la prime Amalfa. Couronné par le sang. Incroyable. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez cet homme. Regardez-vous, Vitalis. Vous avez abandonné vos filles. Laissez-les. Ce sont des enfants. Oh, ce sont les reliques de l'ancien. Voilà. Mais bon. On va vous sortir de là. On s'en occupe. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Le don de soi. Qu'est-ce que c'est? Tous les peuples! Reculez! Restez avec Hugo! Courez! Redevenez un! Va-t'en, Amicia! Qu'est-ce que je dois faire?
s'élèveront vers le firmament. Revenez. Oh putain. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette merde là? Comment je fais? Bah, ça sert à rien. Aïe. Je sprite où? Merde. Voilà. Ne les laissez pas. Il est temps de défendre.
Amicia, la Macula, elle crie dans le sang. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset où tout s'unit. Ah, y'a... Putain, je l'ai pas vu. Connard. Con de vieux, là. Eh, hey, merde. C'est chaud. Allez. Putain, j'ai mal calculé mon coup. Mais voilà. C'est tout. Putain, il va être dur ce boss. Il va être dur. Non, putain. Chier. Allez. Faites comme si je vais réussir. Dans la certitude. Éloigne-toi.
Voilà. Amicia, il est là. Crève. La machina, elle crie dans le sang. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset où tout s'unit. Vous n'êtes pas chez moi. Il tremble. Soulevez-vous. Attention. Ce sol n'est plus à vous. Il plonge dans sa matrice. Allez. Voilà. Et bah du coup les amis, j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Ça y est, on a réussi, on l'a fini. Ouh, ouah, le boss de fin, comme il était chaud. Enfin, il faut slalomer, voilà, les zones qu'on n'a pas visitées, etc., etc. Du coup, ben j'ai bien aimé ce let's play. Bon, sans plus, hein, mais j'ai bien aimé quand même. Cette histoire était très originale, mais me fait penser à un film qui était à l'époque... très très longtemps, où un mec avait des rats dans sa cave et tout, il pouvait les contrôler jusqu'à ce qu'un des rats rebelle contre lui et décide à la fin de mourir. Donc il se fait dévorer par les rats vivants du coup, mais il y avait une armée comme ça de rats noirs. Bon, bah du coup j'en vais passer ça, t'as qu'il y a un truc caché l'un pour l'autre. Demander Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. La nuit est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Pourvu que ça dure. Oh, Amicia, regarde. Ta chance au tir. Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles.
Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Prête. Allez, Amicia! Mais pour toi, Hugo, tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un œil. Une foire? Une vraie foire? J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire! Hugo! On arrivera à tout construire. Mais on reste pas longtemps. Il va rester des maisons vides. Si la morsure nous laisse en paix, les gens reviendront peut-être. Alors c'est vrai? Tu vas livrer du grain? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu un rat. Faut bien reprendre le travail. C'est vrai qu'on voit plus personne dans les champs. Quelle misère. Mais justement, les nobles, les seigneurs, tu crois qu'ils vont se salir les mains? Jamais. Par contre, ils ont de l'argent. Et s'ils veulent manger, faudra qu'ils nous paient. Bien plus cher. Eh hey, mais t'as raison. Je te le dis, tout va changer. Les rats, c'est un mal pour un bien. Hé, hey, regardez. Oh, le petit. Oh, non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. Comme ça. Eh, il y a un problème? Problème? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais la foire... Viens. Hé, hey, Hugo. Quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1... 2... 3! Hé hey. Je suis juste derrière toi. Tu peux pas me battre. D'accord, d'accord, t'as gagné. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le mille-pertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo? Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Oh, vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment!
Lucas. La mouche madame. Et je trouve qu'ils ont raison de quitter le pays. Bon voilà, du coup ben c'est très très bien, j'ai bien aimé l'histoire. Après le gameplay c'est en plus, hein, etc. Mais franchement j'ai bien aimé et je conseille ce jeu. Il est rapide, hein, attention le jeu, j'ai fini comme quoi. Même pas 5 heures. Même pas 5 heures de jeu. Même plus. 8 heures, je sais pas. Mais il est très bien. Il est bien, mais sans plus. Enfin moi, c'est, voilà, c'est mon avis. Du coup je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur notre let's play, sur notre jeu. Et je sais pas s'il y a encore quelque chose à débloquer. Je ne pense pas. Je vais regarder. Ah ben non. Bah du coup voilà. Gros bisous les amis.